Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne. Voici les fameuses guidances du mois d'avril 2024. Donc guidance générale par signe astrologique et là nous sommes sur les Verseaux. Verseaux en signe solaire, en ascendant ou en lunaire. Donc n'hésitez pas à aller voir déjà la première vidéo qui est la vidéo des prévisions des énergies d'avril 2024 où là c'est un mélange de numérologie, de ressenti, de guidance avec les oracles, de planètes, de dates importantes. Enfin, vous avez beaucoup d'informations tournées plutôt vers le collectif, c'est-à-dire pour toute notre grande communauté terrienne. Que va-t-il se passer pour nous terriens sur cette planète au mois d'avril? On est un peu là-dessus. Bien, donc là je vais accélérer la vidéo pour sélectionner vos cartes et on se retrouve tout de suite après. Bien cher Verseau, ça y est, me revoilà avec votre sélection des cartes pour le mois d'avril 2024. Donc ici votre état d'esprit, ici les trois axes importants de ce mois, votre pas du tout. Ici l'énergie générale du mois d'avril, ici les trois axes importants, votre état d'esprit, ce qui vous chiffonne, le défi à relever, l'énergie positive, l'énergie négative et une carte à la fin du mois d'avril. Le Tao vous met en lumière une situation que vous devez voir sur ce mois et nous finissons par des conseils d'oracle. Bien. Alors les Verseaux, sur ce mois de mars, vous aviez le monde, super, fin d'un cycle complet de vie, je vous avais mis en titre. Mi-mois, c'est dingue, transformation imminente, bon, bien, ben, j'ai hâte de voir ce que ça donne au mois d'avril. Alors voyons un petit peu, énergie générale, pouf, la lune, bon, super. Donc la lune, ben, c'est la connexion, c'est les émotions, c'est la créativité, c'est le côté féminin, la part yin. C'est le tout ce qui est intuition, les rêves, c'est aller dans ses profondeurs émotionnelles pour pouvoir en ressortir quelque chose dans la matière. Ça peut parler de naissance, puisqu'on est dans la créativité. Bon. Donc on passe du monde à la lune. Bien. Donc cet aboutissement vous amène des émotions. On continue. Information, non pas du tout. Les trois axes importants pour vous, nous avons le contrat. Bon, donc le contrat c'est la signature, l'engagement. Donc ça peut parler de tout. Ça peut parler d'un contrat, d'un bail, comme ça peut parler d'un contrat de travail, un contrat de mariage. Il y a une signature, donc soit il y a un engagement, soit au contraire il y a un désengagement. Bon, en tout cas ça met vos émotions en route. Qu'est-ce qu'on a d'autre? La dispute. Bon, il peut y avoir un désaccord. Donc, je dirais qu'on peut rompre un contrat. Qu'est-ce qu'on a d'autre? L'amour. Bon. Ben, dis donc, cher Verseau. Donc, pour certains, clairement, là, avec les cartes qu'il y a, c'est une rupture. Pour certains, il y a une rupture suite à un fort désaccord qui traîne peut-être. Qui résonne dans vos émotions, il y a une émotion qui remonte à la surface, c'est possible. Ça peut aboutir évidemment sur l'amour de soi, vous vous passez enfin en priorité. Ça peut être de trouver des solutions pour être en accord par rapport à un contrat ou de la nouveauté dans votre vie de couple. C'est rigolo, mais moi, ce que je remarque, alors je ne sais pas où ça va me mener, mais ce que je remarque, c'est là, donc les deux chiens, les deux personnes, il y a une énergie de deux. On va voir après avec le tarot, hein, mais ça peut parler d'une dualité, ça peut parler d'une hésitation, d'être un pied sur l'autre, ou voilà, entre deux situations, un désengagement et un engagement. On va voir. Quel est votre état d'esprit? 3 de coupe. Alors, on n'est pas sur le 2, on est sur du 3. Donc le 3 de coupe, c'est le partage, c'est l'échange, c'est la simplicité, c'est la confiance, c'est les amis, on trinque, on est bien. Il y a vraiment une énergie où on est posé. C'est votre état d'esprit. Super, il n'y a pas de colère là pourtant. Alors qu'est-ce qui vous chiffonne? As d'épée. L'as d'épée, c'est un nouveau départ. Un nouveau départ comme tous les as.
Ça peut être une nouvelle idée, ça peut être de l'inspiration. Ça peut être une idée claire. Il y a une énergie de victoire et de succès avec l'as d'épée, c'est-à-dire que c'est une illumination qui vient vous percuter, mais cette illumination-là, elle est bonne pour vous. Elle vous emmène vers le succès. Ça peut être une prémonition avec la lune. Alors pourquoi ça vous chiffonne avec l'as d'épée? C'est parce que vous ne l'avez pas, ou vous êtes en attente de cette illumination, vous n'y voyez pas clair. Vous avez peut-être un doute par rapport à votre entourage, d'où peut-être la colère intérieure qui vous empêche d'y voir clair, puisque vous êtes dans des émotions en berne ici. La colère est une énergie négative, une émotion négative. Bon, on continue. Quel est votre défi? 10 de coupe. Épanouissement émotionnel total dans tous les domaines. Votre défi, c'est de rétablir. C'est pour ça que je vous dis les plateaux de la balance, le 2. Votre défi est de rétablir une harmonie, une osmose émotionnelle. De vous diriger plus vers le bonheur plutôt que de nourrir des querelles. Énergie positive, reine de bâton. Reine de bâton, donc c'est soit vous, soit quelqu'un autour de vous. La reine de bâton, elle sait ce qu'elle est, elle sait ce qu'elle veut, elle sait ce qu'elle vaut, elle sait quelle direction prendre, elle est déterminée à avancer. Elle est plutôt très connectée, elle écoute ses sensations, son cœur, ses vibrations, elle ne fonctionne que comme ça. C'est une passionnée, elle aime être mise en avant, elle aime être reconnue pour ce qu'elle est. C'est une énergie positive. Donc soit c'est quelqu'un de votre entourage qui va vous secouer un peu et vous amener à éclaircir ça, à vous aider à travailler votre émotion, soit c'est vous, c'est-à-dire qu'on vous demande quelque part avec la reine de bâton de vous montrer, d'oser, de prendre la direction qui est la vôtre, de savoir ce que vous voulez, ce que vous êtes. Ce que vous valez. Il y a une revalorisation là. Vous existez. Et vous avez le droit, évidemment, au 10 de coupe. Donc dirigez-vous là-dessus. C'est ça la direction à prendre. Quelle est l'énergie négative? Donc vous en avez eu deux. Voilà, 5 de denier. Là, c'est la victime. C'est le caliméro. Alors on est sur du denier, on est sur un manque de valeur. Et là, je vous dis revalorisez-vous. Là, on a peur de perdre. On n'est pas entendu, on n'est pas vu, on n'est pas compris. Notre jugement sur nous-mêmes est compliqué. Hein, dévalorisation de soi, mésestime. On est nul, on ne vaut rien. J'en sais rien. Dans tous les cas, les 5 de denier, si vous vous relevez et que vous tournez votre tête, vous allez voir qu'il y a une porte avec une lumière derrière qui est prête à vous accueillir. Là, on peut parler de banqueroute, hein, de perte financière. Mais c'est une énergie qui vous tire vers le bas. Donc soit c'est un contrat qui vous coûte cher, un divorce qui vous coûte cher. Ça vous dessert. Soit c'est dans vos énergies où vous-même, vous êtes dans cet état d'esprit. Deuxième carte, 6 d'épée. Quittez un état d'esprit. Voyez, mettre ses pensées et ses croyances limitantes de côté pour pouvoir gravir l'obstacle, dépasser ça. C'est pour ça que vous avez la reine de bâton. La reine de bâton, elle n'a pas peur, elle y va. Elle y va, elle est magnétique, elle est charismatique. Elle grimpe la montagne, elle ne sait pas ce qu'il y a en haut de la montagne, mais elle y va. Elle n'utilise pas ses pensées pour dire « Ah non, mais je ne suis pas capable, et si j'arrête au milieu, et si je dois redescendre, et si c'est un échec, et si, et oui, mais, non. » Le 6 d'épée, dans d'autres cartes, c'est un départ. On part vers une nouvelle destination. Quelle est votre prochaine destination? Votre défi veut que vous soyez épanoui émotionnellement parlant, dans tous les domaines de votre vie. Engagez-vous. Mettez fin à la colère pour retourner dans l'amour. Améliorer les choses, réharmoniser les choses.
Vous en êtes capable. Comment vous finissez ce mois d'avril, cher Verseau? Waouh! Une arcane majeure. La roue de fortune. La fin d'un cycle. On ferme une porte pour en ouvrir une nouvelle. On est sur un 10, on l'appelle la roue de fortune, la roue du destin. Ça veut dire que le destin s'en mêle. Ça peut parler de rencontres. Mais pour ça, il faut avoir un état d'esprit de vouloir s'épanouir émotionnellement parlant, amoureusement parlant, de cœur. Il faut avoir cet état d'esprit de reine de bâton qui, elle, se souhaite le meilleur, parce qu'elle sait ce qu'elle vaut. Qu'est-ce que le Tao a à vous dire? Maîtrise la situation, une grande force est là, qui doit être domptée. L'énergie mal contenue tourne à la violence. Le conseil pour trouver une issue, repense à toutes les fois où tu t'es déjà mis dans une situation analogue. Vous êtes encore debout, malgré les expériences de vie. Bravez ça, ayez le courage, quittez un état d'esprit. Allez-y. Mais, maîtrisez, c'est-à-dire, attention à cette colère qui est dans votre jeu. De toute façon, il y a une fin de cycle. À la fin de votre mois d'avril, il y a une porte qui se ferme et une autre qui s'ouvre. Donc il y a bien une, comment on appelle ça, une solution qui arrive, une ouverture vers quelque chose de nouveau. Que ce soit par rapport à la fin d'un contrat, peut-être que ce sera le début d'un nouveau contrat, que ce soit par rapport à la fin de l'amour et le début d'un nouvel amour. N'oubliez pas que vous avez la lune, il y a la créativité. Il y a l'intuition, il y a les sensations, il y a les émotions. Allez me chercher les émotions qui vous parlent. Vous n'y voyez pas clair. Posez-vous. Quelles sont les actions à mener? Parce que vous en avez eu deux sur ce mois d'avril qui vont vous aider. Première, s'unifier. Tu es comme un diamant avec de multiples facettes. Chacune de ces facettes, c'est toi. Aussi différente et opposée soit-elle. Ramène chaque partie de toi à toi et sens la force de l'unicité te combler. Il y a une énergie de se recentrer ici. De prendre le temps de se recentrer. La colère peut faire partie d'une de vos facettes, mais elle ne fait pas tout de vous. Peut-être que vous devez vous apporter de l'amour. Reconnaître vos valeurs. Ne pas s'apitoyer sur son sort. Cette carte-là, elle me fait penser aux échecs aussi. Ne vous mettez pas en mode « j'ai tout raté, j'ai tout foiré ». Non, ça ne sert à rien. Tout a un sens. Donc, accueillez, acceptez qui vous êtes dans tous vos états et quittez-moi cet état d'esprit. Deuxième action, faire une pause. Stop. Tout va trop vite autour de toi. Assieds-toi, inspire, expire, offre-toi ce moment de calme et d'introspection. Pause. Vous avez besoin d'interroger vos émotions. Vous avez besoin de les voir, vous avez besoin de les observer. De ne pas agir sur un coup de tête. Mais pour le meilleur pour vous-même. Et du coup pour les autres. Quel est le gardien mystique qui vous entoure sur ce mois d'avril et quel est son message? Vous avez la cigale, timing, protection, naissance. Affirmation, mon timing est en harmonie avec l'univers. Donc je vous montre. Protégez-vous en vous réfugiant dans votre sanctuaire. Il peut être intérieur, par exemple dans votre cœur, ou consister en un moment de solitude en pleine nature. Autorisez-vous à y passer autant de temps que nécessaire, jusqu'à vous sentir prêt à en sortir. Rien ne presse, et guérir demande de la patience. Ce processus peut vous paraître long, mais la cigale est là pour vous rappeler que vous renaîtrez selon votre propre timing, naturel et divin. Le meilleur qui soit. Ne forcez pas les choses, et laissez faire votre instinct, il vous guidera et vous dictera d'avancer lorsque le moment sera venu. Bien.
Les choses avancent. Chaque chose en son temps. Attention avec la fougue hein, de la reine. Alors ça va, elle est en positive, donc j'ai envie de vous dire qu'elle ne va pas être dérangeante. Elle s'affirme. Et peut-être qu'il est temps, c'est le timing divin de s'affirmer. Alors, vous n'êtes pas obligé d'hurler. Mais pour pouvoir rétablir l'harmonie. Quelle est la clé de la Good Quantic Box pour vous? Au moment de votre mort, la sécurité n'aura plus aucun intérêt. La peur non plus. Alors dès à présent, apprenez à ne plus prendre vos décisions par peur ou pour être rassuré. Suivez le murmure de votre cœur. Il vous guidera vers la vie extraordinaire que vous méritez. Il vous proposera de vivre pleinement chaque expérience. Ne le lui refusez pas, vous êtes venu pour cela. Très bien. Pause. Pas de précipitation sur les décisions à prendre. Parce que vous risquez d'agir par peur. Donc attention à cette petite carte-là, hein, parce que ça, c'est des énergies négatives. Ça, c'est vraiment une énergie de victime, de caliméro, de « c'est pas juste ». Mais bien sûr que si, tout est à sa place. Tout ça est fait pour vous faire grandir, pour vous montrer quelque chose que vous devez voir, car la lune, c'est quelque chose de caché. Elle est dans la nuit. C'est le soleil qui l'éclaire. La mise en lumière. Mais posez-vous. Regardez, on dirait une lune, là, si. Bien, cher Verseau, eh bien, écoutez, merci d'avoir passé ce temps à mes côtés. N'hésitez pas à liker, partager, commenter et vous abonner à ma chaîne si ce n'est déjà fait. En tout cas, moi, je vous souhaite un très, très bon mois d'avril et je vous dis à très bientôt. Ciao !